Oh, j'ai grossi, hein, c'est dramatique. Alors, t'as un bon cul, c'est super. Dès que je dépasse 52 kilos, j'ai l'impression d'être une mémé. J'ai jamais eu de chance, je sais pas pourquoi je m'étonne, hein. Comment tu la trouves, la fille, là? De la part de Ronald. Faut que tu attendes dans sa chambre. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Oh, je m'excuse, je me suis endormie. Mais comment vous avez atterri là? Ah non, mais ça me... ça va pas, je suis crevé, moi. Moi, c'est ses seins, surtout. Je pourrais les caresser pendant des heures, je m'en lasserai jamais. Oh, ça... elle me rend dingue, tu sais. Oh, on va pas s'engueuler pour un mec, hein. T'as vu ce que t'as fait, t'as vu? Ton sourire m'éclabousse comme l'écume de la mer un jour de tempête à la pointe du Raz. Mais t'as déjà vu la pointe du Raz par gros temps en plein hiver? Ben non, je prends mes vacances en juillet. Toi, Sarah, c'est pas le moment de faire une scène de jalousie, hein. Je fais pas de scène de jalousie, j'en ai rien à fiche que tu te tapes un boudin. Je pourrais faire un mot, là, mais... j'en ai marre qu'on me traite de boudin! T'es mal baisé, c'est tout. Espèce de grossier personnage! C'est quand même sa faute si je suis mal baisé, non? Il t'emmerde. T'as regardé, sac à merde? Pas du tout! Tête de neuf, hein! Connasse! Pauvre con.